Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de V Rising. Alors la dernière fois, juste en coupant l'enregistrement, je me suis rendu compte que je n'avais pas fermé ici. Et peut-être que c'est simplement ça la raison qui fait que notre château n'est pas à l'ombre en fait. En réalité, c'est peut-être pas une histoire de porte. Donc on va tester, on va commencer tout simplement par faire ça. La porte qui est là. Alors attendez, il nous faut de la pierre. On doit en avoir là normalement. Hop. Et alors j'ai juste farmé pendant la nuit là qui est passée. Hop, alors au 108, ouais, on est pas mal. Ça devrait être correct. Alors il nous faut aussi du bois, je crois. C'est bon, on a du bois. Donc ça devrait être bien. Hop là. Alors est-ce que ça va nous mettre le toit? Tac tac tac. C'est dans château. Non, c'est pas du tout dans château. Mur, sol. Voilà, mur. Du coup, on se met une porte là. Ça me paraît pas mal. Ça a pas l'air d'avoir fermé, hein. Est-ce qu'il reste un autre endroit? Alors, parce que j'ai vu ça à la fin, mais je me suis dit que bon, ça devait être ça. Je sais pas. J'ai pas l'impression qu'on ait un toit maintenant. Parce que si on sort, on voit quelque chose. Et non. Il y a clairement pas de toit. Alors, est-ce que c'est les fenêtres ou est-ce que c'est les portes? On va mettre les portes tout de suite, ce sera fait. Hop. Mais je me suis un tout petit peu baladé. Alors on avait dit qu'on choisissait ce modèle là de porte. Il en faut partout. Vous savez quoi? On va faire un test. On va mettre une zone où il y aura absolument. Est-ce que c'est parce qu'il y a ça aussi ou est-ce que c'est les fenêtres? J'en sais rien du tout, honnêtement. Est-ce que si je ferme cette zone là juste pour tester. Que là j'ai vraiment pas l'impression qu'il se soit fermé. Non, bon je pense pas hein, réellement. Terminer une salle de château en plaçant le sol et en construisant des murs pour tout autour pour générer un toit. C'est bon là non? Allons. Est-ce que ça compte pas, peut-être? Du coup, j'ai un peu mon château, le cœur de mon château qui est au milieu, vraiment. Va falloir que je réorganise tout ça. Bon, allez, on va dégager ça. Et on va fermer. Est-ce qu'ils disent... Ouais, des sols. Ah, mais c'est le sol, hein, c'est sûr. Regardez, on va faire autrement. On va placer directement ce truc-là. Hop, on va te mettre là, dehors. Bien au soleil au cas où. Non, on va au moins essayer de te mettre dans un petit coin. Histoire que tu... Mais alors par contre, je me demande vraiment comment on fait pour pouvoir poser son truc. Donc sol et... on va mettre donc le sol de base. Il nous faut de l'essence. Sanguine. Je dois en avoir dans un coffre juste là. Youp. Non. Ah oui, et j'ai une bonne nouvelle, en farmant un petit peu, j'ai trouvé de quoi faire la nouvelle épée. Donc on va pas se gêner, on va faire ça juste après. Ah non, 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 j'ai pas trouvé de quoi faire la nouvelle épée, je vous dis une bêtise. Tiens, ça suffit, non? Le rat. Hop. Ah bah voilà, là on a un château fermé. Du coup, ah, c'est quand même un peu plus chouette. Obtenez ceci, cercueil de pierre. Ah, donc là maintenant on peut mettre un cercueil à l'intérieur. C'était un peu embêtant. Du coup, c'est où? Papier peint, non, j'imagine que non. Oh, poussière de tombe, il en faut 6. Et ça nous fait quoi? Après une défaite. De la poussière de tombe, j'en ai pas. Ça, c'est de la poudre de pierre. Alors, est-ce qu'on peut en faire de la poussière de tombe? Ouais, il nous faudrait des os. Est-ce que j'en aurais pas déjà 6 avec un peu de chance? Non. Non. 7. Voilà. Regardez. On va tout de suite se poser ce petit cercueil là, histoire d'être peinard. Pouvoir se reposer en paix. Ah. Voilà. Fais voir. Hop là. Fais voir quand il sort. Ouais, ça fait un peu comme avant.
Tatin. Bon, en gros, ouais, le truc, le but aujourd'hui, ça va être d'avoir cette fameuse épée. Donc on a deux cercueils, je sais pas à quoi ça sert. Ah, ce lien à un cercueil, j'avais même pas vu que c'était le plan. Donc très bien. Construisez et interagissez avec un cercueil de serviteur. Oh oui, je veux ça. Ça va peut-être être ça le but de l'objectif d'aujourd'hui, finalement. Domination, j'imagine. Lingot de cuivre, essence sanguine supérieure. Oh. Comment on fait ça? Raffinage. Pressoir à sang. Il nous faut de la pierre. Ok. Alors de la pierre, par contre, je dois plus en avoir. On va en prendre là-dedans, hein, tant pis. Voilà. Hop, et on va te mettre ici en attendant. Est-ce que tu es du bon côté? C'est ça ma question. J'imagine que c'est comme ça. Alors, il nous faut quoi? Pour avoir des essences sanguines supérieures. Des cœurs intacts. Oh, regardez, j'en ai un. Ah bah, il va en falloir plus que ça. Cœur intact, x4 pour en avoir une. Et du coup, pour le cercueil de serviteur, c'est combien? Une seule. Oh, bah ça devrait se faire. Je dois en avoir d'autres dans des coffres, j'imagine. C'était pas la première fois que je trouvais ça. Non. Non plus. Faut que je trie. Hein. Là, je sais. Cœur souillé. Non, c'est pas vraiment ça. Ah oh là là, non, j'en ai pas. Oh, bah non, j'en ai pas. Vas-y, tu rentres chez moi comme ça, toi. Bon, et ben le but, ça va être d'aller farmer un petit peu et de trouver éventuellement. Alors, c'est dommage, on peut pas faire autrement. Essence sanguine originelle, cœur exquis. Où est-ce qu'on les trouve? Ça nous dit pas où est-ce qu'on les trouve. Ok. Et là, on pourrait utiliser 200 essences sanguines pour avoir une essence sanguine supérieure. Ok, donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est de trouver ces trois machins-là. Et au passage, en attendant, on peut se faire une petite mission, je pense. Ce sera pas gâché. Ah oui, on a plusieurs objectifs. En gros, je vous explique. Regardez. Là, il nous faut tout simplement pour les 8 pierres à aiguiser, je crois que j'en ai qu'une. Donc il va en falloir quelques-unes. Et du coup les essences sanguines. Ok. Alors on va poser tout ce qu'on peut. Du bois, on va le mettre là. Hop. Allez, scie-moi tout ça s'il te plaît. On va laisser les planches à l'intérieur du coffre. Je peux pas les laisser? Si. Et là j'ai trouvé un bouquin aussi, mais j'ai l'impression que c'est déjà un bouquin qu'on a déjà. Donc on va pouvoir peut-être le recycler. On va voir. Attendez, on va aller là. Hop. Recherche? Non? Parce que c'est ça, ouais. Papier récupérable. Je sais pas comment on fait. Faut que je regarde un petit peu comment on va faire. Ok, bon, allez, on pose tout ce qu'on a sur nous. Par exemple, les pierres. Là. Bon, c'était rangé, ça ne sera plus. Enfin, c'était rangé. C'est vite dit. Tac. Allez, ça. Les parchemins aussi. Je sais pas du tout comment m'en servir. Pour l'instant, on en a. Hop. Et allez, c'est parti, on part en chasse. Alors, non, avant de partir en chasse, je pense qu'on va sélectionner la mission. Ici. Il nous manque lui, le briseur de pierre. Traqué. Et donc, ouais, on avait eu elle au tout hasard. Et je suis retombé deux fois sur elle, hein, en réalité. Donc, elle est ultra fréquente, elle se balade sur les chemins. Vous pouvez lui tomber dessus. Elle n'est pas spécialement accompagnée, donc. Elle est beaucoup plus simple à buter que l'archère du givre, pour moi j'ai trouvé quoi. Par contre, son pouvoir est beaucoup plus intéressant. Alors, c'est par où la glissade? Est-ce que tu veux bien me dire? Ah oui, je vais enlever. Ouais, j'étais allé là-bas. Parce que je pense qu'on va aller à la carrière, là, voilà, la mine de cuivre. Ça m'étonnerait pas que ce soit là-bas, hein, franchement. Donc bon. Bon, je vous fais une petite ellipse et on se retrouvera dès que ça approche un petit peu du bonhomme là. Alors, je suis bien arrivé là où je pensais et vous voyez, c'est bien ce que je vous disais, c'est la mine de cuivre. Donc, à mon avis, on va se fighter. On va commencer par l'archer. Tiens, d'ailleurs, boum. Voilà, toi, tu nous embêteras plus. Toi, on va te mettre un grand coup dans la tronche. Bon, eux posent pas vraiment de problème. C'est habituel. Et le gars doit être là-dedans.
Ah, c'était un cœur pur, ça. Non, c'est un cœur souillé. Attends, sinon on peut... Oups. Oh oh, il y a du monde qui arrive. Du papier, alors c'est bien, avant ça m'aurait fait plaisir, mais là réellement je m'en fous un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, il y a un coffre quand même, on va le prendre. Voleur. Je vérifie quand même des fois qu'il... Mince, j'ai voulu. Voilà. Déjà, on s'embarrasse pas avec lui. Peu. Je vous avais dit que ça fait mal, ça. Ouh. Alors, faudrait que j'utilise l'autre compétence, hein, franchement. Qui, depuis le début, j'oublie à chaque fois. Cœur souillé, toujours pas de cœur pur. Je pense pas que les humains rangent des cœurs purs dans leur coffre, mais bon, on sait jamais. Tout transféré, youp là. Oh, il y a un autre coffre là-bas au fond. Ah, moi je suis une vraie pille. Il y en a même un là. Attendez, excusez-moi. Hop. Tout transféré. Bonjour. Oh, t'es vivant, toi. Ça pique un peu, ça. Hop. T'es encore en vie, toi? Bon, alors, les pauvres archers. Ok. Y a plus grand monde. C'est très bien comme ça. On va se soigner avant d'y aller quand même. Hop, parce qu'il y a des choses là-dessous, on sait jamais. Ouais, on n'est pas très respectueux de... des lieux, quoi. Alors, attends. Ils ont pas voulu me taper. Pile au moment où je pensais. Attends, je veux bien juste manger un petit coup. Parce que notre santé est pas très bonne, bah du coup, il nous faut du sang. Alors il y a encore un truc que j'ai pas capté réellement, c'est... comment fonctionnent les histoires de sang. Ah, et vous voyez, là par exemple, mon stuff il est en train de se péter. Du coup, attendez, on va ouvrir ici. Oh, une masse de mineurs, j'en ai jamais vu de ça. Bon, on va le prendre. Cœur souillé, malheureusement. Quoi, est-ce qu'on a toujours des cœurs souillés dans ce jeu? Bon, on va se mettre par là. On va d'abord se soigner. Hop, alors ça, du coup, ça consomme un peu de sang. Mais bon, ça vaut le coup. Et pour réparer, il me faudrait quoi? Du cuir. Est-ce que je les ai? Du cuir, du cuir. Donc, il y a le pantalon qui est quand même vachement endommagé. Alors, attendez. Comment c'est... Ah oui, voilà, là j'ai plus de cuir, il m'en faudrait. Vous voyez, bon, il nous reste les bottes et les gants, bon, c'est pas grave, on les réparera dès qu'on pourra. Salut, ça va piquer, voilà. Attends, bah du coup, je vais te remettre un coup. Ah non, il apparaît. Eux, ils sont trop marrants avec leur bouclier. Voilà, fil grossier, du cuir. Ah, on va pouvoir réparer un truc. Merci, mec. Et bim. Bon, j'aurais pu te manger, éventuellement. Ça aurait pu me redonner. Ok, alors là, par contre, c'est plus la même. Il y a d'autres sorties éventuelles. Ah, alors ça, c'est un truc que j'ai trouvé. Héron infernal, ouais, j'en ai trouvé. Tu m'agresses ou pas? Ouais. Non mais je voulais savoir. Boum. On va te manger d'ailleurs, tiens. Je suis pas sûr que ton sang soit très très bon, mais... En tout cas, ça nous fait un peu de trucs. Alors on pourrait miner, mais franchement, je vous avouerai que c'est pas le but et que j'ai déjà miné comme un âne.
Par contre, ça, je sais pas du tout où est-ce qu'on peut en trouver autrement. Allez, plutôt toi-même. Voilà, c'est même pas moi qui fais le sale boulot. Oula, il se passe quoi en bas là? Oh, il y a un petit coffre. Alors, est-ce qu'ils vont me voir? Tout transférer, du tissu, c'est toujours bien. Franchement, à la limite, il vaudrait mieux les affronter avant que les autres débarquent. Voilà, déjà. On va buter son copain l'archer. J'adore ce sort. Et voilà. Merci bien. Cœur souillé. Mais franchement, il n'y a pas un mec au cœur pur dans le coin? Oh mais non, mais c'est pas vrai, il y en a partout. Bon bah, on va vous buter aussi. Hop là. Cette technique est vraiment trop bien. Tiens, toi, on va te manger toi, là. J'ai l'impression que ton sang, il est mieux. Tu sais pas trop en quoi, pour l'instant. Alors, non, ton cœur était souillé. Oups. Voilà. Bon, j'imagine que le gros type, c'est lui. Et je pense pas qu'on puisse l'affronter discretos. Attends, est-ce qu'on peut peut-être éliminer ses acolytes un par un? Oh. Le mec trop intéressé par un pauvre cœur. Voilà, tu t'es tué tout seul. Bravo. Alors, cœur souillé, c'est nul ça. Je suis sûr qu'il y a des mineurs avec un bon cœur. Hein. Alors, il va arriver, j'imagine. C'est lui. Erol, le briseur de pierre. Ok. Oulala. Ah, ça va marcher. Oh, t'as l'air de piquer, toi. Ok. Ah, il rappelle des copains. Vous êtes combien, les gars? Hop là. Toujours pas un cœur pur. Franchement, je suis très déçu. Oh, c'est quoi ça, ça brille? Ah, assortiment, je sais pas de quoi. Attends, excuse-moi, j'ai pas le temps. Faut que je te finisse avant. Non mais arrête d'appeler des copains, c'est bon, on peut faire ça entre nous. Oh. Ok, il est pas bien. On va le bouffer. Bon, ça fait plaisir de s'en faire un du premier coup. Ah, je crois que t'es pas en forme. Ok. Cuivre. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir jeter? Ici, c'est quoi? De vase d'augure. Eh ben, déjà les rats, ça dégage, voilà. Ah,
c'est un livre, ok. Du coup, pourquoi le cuir? Enfin, le cuivre, décidément, j'ai vraiment du mal. Hein. J'y arrive vraiment pas. Du coup, bah, les 62 bois, ça dégage. Franchement, on s'en fout un petit peu. Alors, pour le coup, on est en plein intérieur, donc ça me dérange pas. Là, c'est des lingots directs. Bon, bah, cette mine est maintenant pacifiée. Ah oui, voyons voir si on a obtenu un pouvoir quand même avec lui, je pense pas. Hop. Alors, ça, on l'avait. Ça aussi. Un pinon, illusion non. KO. Ah, si. Contre-coup, pulvérise le sol, causant une onde de choc qui explose, infligeant 100% de dégâts magiques sur une ligne, ainsi qu'une brûlure chaotique. Bah, tu m'excuseras, mais je crois que ça, c'est quand même vachement mieux. Et gire, ok. Pouvoir vampirique, ça n'a pas bougé. Ok. Bon, et ben, je vais finir de looter un petit peu le cuivre qui est ici, et on va se retrouver à la base. Alors, on est de retour au château, et j'ai farmé un petit peu entre temps, et j'ai pas trouvé du tout de cœur pur. Du coup, je sais pas vraiment à l'heure actuelle comment les trouver. J'en ai un, donc je me dis que c'est possible et qu'on peut en trouver dans cette zone. Mais ça suffira pas, il en faut 4. Enfin, il en faut 3 d'autres de plus, donc du coup, ça m'embête un petit peu. Il y a bien cette recette-là, mais malheureusement, on l'a pas encore. Alors du coup, pas de panique, c'est pas grave, on a d'autres objectifs. Il y a déjà l'épée de cuivre améliorée, mais alors pour ça, il va nous falloir plus, en fait. Donc, elle est ici, et on a les saphirs, je les ai trouvés, il nous manque les pierres à aiguiser. Donc ça, va falloir aller looter un endroit à pierres à aiguiser. J'en ai repéré un, pas loin d'un téléporteur, celui-ci, armurerie des bandits. Donc ça me paraît pas mal, donc on va aller là-bas looter un petit peu, voir ce qui se passe. Et par contre, au passage, ça m'a fait penser à, je crois qu'il y a une mission là-bas. Lydia, Archer du Chaos, Grayson l'armurier. S'il n'est pas à cet endroit-là, franchement, ça m'étonnerait. Donc on va le traquer et on va y aller, et à mon avis, bah, on va essayer de le buter, hein, de toute façon. Le but, ça va être de faire ça, ensuite... Alors oui, il y avait un bouquin qu'on avait ramené, j'aimerais bien l'utiliser, je vous ai attendu exprès. Tac, où es-tu, petit livre? Ah non, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une nouvelle tenue qu'on doit se faire, c'est celui-là. Hein. Vase augure. Bon, apparemment, ça doit être de la déco, hein, si je comprends bien. Panneau de recherche. Vase augure. Eh ben voilà. Bon, pour l'instant, c'est pas trop utile. Mais par contre, on a ça à se faire. Donc, elle a l'air bien mieux. Fais voir un petit peu. Donc, il nous faut du cuir. La veste de l'arpenteur, on l'a sur nous. 4 fils grossiers, 4 cuirs et 4 lingots de cuivre. Hop. Alors, du fil grossier, on en a plein. Parce que j'ai fait pas mal de loot. Donc, hop. Tac. Où est-ce qu'il y aurait du cuir? Vous voyez ça, on en a qu'un pour l'instant. Du cuir par exemple ici et du cuivre, voilà, là on a tout ce qu'il faut, on doit pouvoir la faire. Et là on est en pleine journée, donc c'est tellement pratique d'avoir son château qui fonctionne. Hop, allez. Bon, j'espère que ça a du style. Hop, elle fait 40 alors que l'autre faisait combien? 31. Donc oui, on a pris un petit peu de... Tu peux voir, on se rapproche. Ouais, c'est pas ouf, hein. Franchement, c'est pas ouf pour l'instant, notre équipement, quoi. Mais bon, on va pas se plaindre, au moins, il fait plus de stats. C'est un peu ce qu'on cherche en premier, le cosmétique, ça passera plus tard. Alors ça, non. Alors j'ai retrié un petit peu. Un petit peu, j'ai dit, pas énorme. Hop. Donc ça, là. Je me trompe de coffre, forcément, ça va pas marcher. Le cuivre et le cuir. Ça ira très bien. Donc là, du coup, on va aller chercher le gars. On va prendre un téléporteur. Normalement, la nuit arrive. Et c'est trop bien, au passage. J'avais laissé les portes ouvertes et il y avait des loups qui étaient rentrés. Du coup, bon, bah, je les ai chassés, on va dire, gentiment. Et maintenant, je ferme les portes. Ça m'aura appris. Mais au moins, voilà. On peut plus être dérangé en plein sommeil. Ce qui est quand même un petit peu le but de tous les vampires. Allez. Hop. Alors, pourquoi j'ai cette espèce d'effet là autour de moi? J'ai encore la pièce d'argent? Non. Hop là. Je sais pas du tout pourquoi j'ai cet effet autour de moi.
Attendez, on va quand même regarder. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'écrit? Non, j'ai pas sur moi. Parce que quand vous avez des pièces d'argent, ça fait des espèces de petits effets lumineux. Bon, là, je sais pas pourquoi il y est. J'ai rien mangé de particulier. Allez, go. Non, pardon, faut que je maintienne. Sinon, ça marchera pas. Hop, donc on a dit ici. C'est parti. Ce bruit à chaque fois me fait toujours me dire ah il y a un monstre, mais c'est nous le monstre. Donc je sais pas si ça va être bien ou pas cet endroit. Enfin facile dans le sens. On va prendre des roses. Toujours important d'avoir la classe. Alors, armurerie des bandits. Il a l'air d'être en haut. C'est un piège, non? Ah non, c'est vraiment open bar, là, comme ça, ouais, ok. Eh ben, on va ouvrir les hostilités. Voilà. Ouh, mais attendez. Morteuil, qui es-tu, toi? Hop là. Ah bah ça pique, hein, j'avais prévu. Hein. Ouh. Attendez, c'est un cœur souillé, ça. Ah mince, je l'ai mangé. Bon, c'était pas ce que je voulais faire. Ah, tu arrêtes. Alors, je me demande si je te fais ça, est-ce que ça marche ou pas. Ouah, t'es quoi, toi? Bagarreur de la milice. Ouais, alors en fait, le fait que t'aies juste une tête de mort autour de toi, ça m'amuse pas. Par contre, si tu te barres, j'ai envie d'y retourner, moi. Alors, on va peut-être les laisser passer, ceux-là, hein. Lui. Lui a l'air clairement d'être trop fort pour nous pour l'instant. Bon, après, c'est pas ce qui va nous arrêter. On va se soigner un petit coup hein, en rentrant comme ça dans le. Totalement discret. Vous n'auriez pas des armes pour moi, un truc un petit peu plus stylé. Hop. Bon, le but c'est de trouver des pierres à aiguiser, faute de mieux. Le reste, on s'en fout un peu. Pierre aiguisée. Et ben voilà. Maintenez pour équiper une armure. Invulnérable. Et je peux pas taper par contre. C'est un peu dommage. Avoir une armure c'est bien. Ok, tu m'as un peu saoulé toi. Voilà, donc là vous m'avez saoulé avec vos cœurs souillés en plus. Non mais sérieusement. De l'argile, des rats, on s'en fout. On ramasse tout. Qu'est-ce que c'est ça? Des choux? On n'a pas mis la traque de la cible, non? Si, on a mis la traque de la cible. Boum. Ah. Toujours souillé. Donc c'est pas eux qui peuvent me donner un truc sympa. Viens là. Pierre aiguisée, en tout cas, ça m'intéresse. Le reste, je t'avouerai,
Donc ouais, non, c'est pas l'endroit en question. Je suis un peu étonné. On va fouiller, hein. Ah, il y a un plateau là-haut. Alors attendez. On sait jamais. Faut pas laisser ces humains faire des armes. Hop là. Ouais, battez-vous entre vous, ça me va. Ah bah personne me tape au moment où je le demande. Franchement, ça se fait pas. Oh. Non. Alors toi c'est bien parce que tu nous donnes des pierres à aiguiser que... Ok, alors va falloir se soigner quand même, hein. Ah, on va peut-être te bouffer en fait. Et comme ça, on va se soigner. Merci bien, pierre aiguisée, parfait. Et ben hop, petit soin. On en est où de la nuit, tout va bien. Avec un peu de chance, on rentre en intérieur juste derrière. Ah, ça coupe le sort quand je fais ça. Ah non, mais faut que je le laisse se faire parce que on va tomber sur un boss. Grayson Naturier, là, enfin l'armurier, ça va peut-être pas être la fête. Oui, donc ma voix s'est pas améliorée, tout simplement parce que je suis malade. Hop. Ou bah forcément, ça peut pas être mieux qu'au précédent épisode. Et il est toujours aussi tard d'ailleurs au passage. Vous êtes très nombreux, hein. Oh non. Allez. Tue-toi. De toute façon, c'est la seule chose que tu pouvais faire de sympa. Hop là. Il est immense ce camp. Ouah. Villageois. Peut te mordre. Ah, j'ai pas encore le cercueil, mais prochainement, promis, je le ferai. Bah, j'imagine que ça marche comme ça, pierre à aiguiser. Combien on en a? 8, allez. Quoi qu'il arrive, au moins cette expédition, on pourra faire l'épée. Alors je me demande vraiment à quoi ça sert d'avoir une armure si on ne peut rien en faire. Enfin, je vais peut-être pas me poser la question très longtemps, on va tomber sur Grissom là ou je sais pas quoi, et il va nous massacrer. On va se dire, ah oui, ok, d'accord, bah ça sert à ça. Hmm. Il y en a plein là-bas. Bon, allons voir la source. Avec un peu de chance, notre Gugus, il est... Oh, ça sent la reine. Ah ouais. C'est quoi ça? I'm going to crush you, then I've got the tool for the job. C'est des mines? Ouf. Ah ok. Je pense qu'il faut que j'enlève les mines qu'a laissé notre ami. Ok. I've got the tool for the job. Hammer.
Ok, on va reprendre une petite armurerie. Enfin, une armure, pardon. Voilà. Faut pas que j'en vise une au dernier moment. Oh. Ouh, ça l'a eu. Je pensais vraiment pas que je pouvais. Faut que j'arrête, hein. Faut vraiment que j'utilise ça, quoi. Ouh. Il n'y a plus d'armure ici. Il y en a une là, hop là. Allez, allez, faut nettoyer la zone, vraiment. Oh mince, 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 mince. Qu'est-ce que je disais? Il faut pas que je me laisse avoir. Oh. Faut que t'arrêtes, vraiment. Toc 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 toc, c'est la touche 8. Alors là, tant qu'il me touche pas, je regagne un petit peu de points de vie. On va courir un peu. Ok, on court pas très longtemps. Oh non, 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 non. Oui, de justesse. non, mais là je crois que c'est foutu, mon coco. Merci. Botte d'arpenteur de la nuit incroyable. Oh oui. Et ben voilà, c'est le GG. Hop. Bon, ben vous savez quoi, on va rentrer au château tranquillement, hein. On va se soigner un petit coup avant d'y aller. Heureusement, j'ai vraiment cru que j'étais foutu quand j'ai vu le soleil se lever, quoi. Je sais pas si vous avez pensé la même chose, mais vraiment, j'y ai cru. On va prendre le rat ici, même si je vais pas l'utiliser. Je sais toujours pas ces histoires de sang, du coup. C'est peut-être là, la réserve de sang. Non, est-ce que c'est ça par rapport à la qualité du sang? Ah oui, qualité du sang, 17%, ok. Ok, bon bah pour le coup, on s'en fout, on va juste se soigner nous parce que on n'est pas bien. Et on va aller voir s'il n'y a pas un nouveau un pouvoir. Si, égide pourpre. Génère un bouclier, ok. Pas mal. Je suis plutôt dans les sorts offensifs, mais ça peut servir. On regarde quand même le reste, on ne sait jamais. Non, non, je vais rester sur ça. Hop. Est-ce qu'on peut sortir par ici, éventuellement? Ce serait chouette, hein. Ah ouais. Non, tu veux pas. Peut-être par là, voilà. Et ici, comme ça, on peut rentrer directement à la maison, presque. La montée, elle est où, là? Bon, bon, on va se faire cette épée, et puis bah, je pense qu'on en restera là pour aujourd'hui. Qu'il faut que je trouve avant comment récupérer ces fameux petits cœurs là. Ah bah tu m'as vu. Oh c'est tellement dommage. Oh vous êtes nombreux. Ah alors là je suis un peu en colère. Je vous ai raté. Ah, est-ce que c'est un... Non, c'est toujours un cœur de merde. Hop là, on se met à l'abri un petit peu. Hop, bon, on va vite visiter quand même ce petit camp.
Bonjour. Ouais, ça, c'était un peu grossier comme attaque, faut être honnête. Je l'ai pas vraiment soigné cette. Est-ce qu'il y a des trucs? Bon, on va tout détruire et puis on verra bien. Du cuivre. Des os. Ouais, non, c'était vraiment un campement inutile, ça. Sauf si je suis passé à côté d'un trésor, mais j'y crois pas. Allez, Zou, on rentre à la maison et on va se faire cette punaise d'épée. J'espère qu'elle est bien, franchement. Bon, en tout cas, on aurait eu deux bonhommes à cet épisode, je crois. Hop là. Vers la maison. Tac. Et ça, ce trajet-là, c'est vraiment devenu ma routine, quoi. Bon, les loups ici, je les ignore en général. Voilà. C'était pas ça que j'appelais les ignorer, mais bon. Regardez-moi ce petit château. Juste magnifique. Hop là. Faudrait pas être dérangé par des gueux. Alors, on a dit l'épée. Qu'est-ce qu'il nous faut pour cette épée? Hop. Ah mais attendez, on a un bouquin et tout à développer avant. J'y étais, j'aurais peut-être pu le regarder quand même. Bureau de recherche. Recherche. Ça c'est plutôt cool. Ça va nous booster un petit peu nos niveaux. Je vais pouvoir aller farmer plus facilement. Du cuivre et du cuir. Ok, pas de souci. Et pour l'épée, les saphirs et du cuir. Ok. Alors les saphirs, je les ai mis précieusement ici. Non, pas là. Là, voilà. Hop, venez. Donc toujours en tapant des rochers avec des pierres à l'intérieur. Du coup, non, on a dit du cuir. Bon, ça, on va la prendre. Toujours pas. Voilà, du cuir. Et du cuivre. On a tout. Donc là, on est niveau 28 avant de passer nos trucs à la... Oh, alors. Oh oui. Ah, elle fait vraiment plus de dégâts. Elle a une meilleure durabilité d'ailleurs aussi, ça c'est bien. Et les bottes, donc ça nous enlève les anciennes, j'ai pas regardé. On était à 22 et là on est à 28. Poum. Bon, là on est niveau 20. 32 avec l'épée. Bah voilà. Oh. Qu'elle aurait pas une nouvelle combo quoi. Bon mais du coup on va s'arrêter là, je vais essayer de chercher désespérément ces cœurs et on se retrouvera dès que j'en aurai trouvé ou que j'aurai au moins la solution là-dessus. Allez, je vous dis à bientôt, j'espère que ça vous a plu.